bandi na ipena. Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu ya leo, siku ya pili ya tariki mosi mwezi Februari mwaka wa 2022. Jina langu ni Andrea Mlima ambaye nakuletea matukio yetu, na tutaanzia moja kwa moja katika mkoa wa Ituri. Madawa na washiriki wa waganga wa ADF wameshukwa mkoani Ituri na kuoneshwa mbele ya raia mkoani humo. Encore une prouesse de plus au sein de forces armées dans la lutte contre les groupes armés. En Ituri, le premier groupe est constitué de 4 collaborateurs de ZADEF, dont 2 maïmaï et un ravitailleur à médicaments de ces rebelles. Ils ont été arrêtés en chefferie de Walesevonkoutou avec une grande quantité de médicaments conservés dans des bidons, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. C'est vraiment un réseau de ZADEF, mon général. Étant donné que il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter les médicaments pour ramener en brousse là où ils sont en détresse. Un rebelle très malin qu'il est, ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments au niveau de la brousse. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achat et de vente d'armes. À la tête, la chef du quartier Bakongolo et 3 autres personnes appréhendées avec une arme PKM, explique le lieutenant Jilungongo. Mon service a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de 1 500 $. Au patron des opérations militaires en Ituri, lieutenant général Luboyanka Chomadjoni, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience, aurait fui de collaborer avec les groupes armés en vue de sauver la province. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allés acheter cette arme-là. Rappelons que c'est le 1e cas d'arrestation des cerveaux monteurs des groupes armés, dont les ADEF, Mai Mai, Kodeko, Zahir et FPIC, au front nord en territoire de Djougou et au front sud en territoire du Rumu. Huko Kalemie ni kwamba maji ya ziwa Tanganyika yaendelea kuharibu barabara kuu katika mji huo wa Kalemie, hali ambayo inaweza kuharibu kabisa barabara kuu ya jiji hilo. Hiyo ndo hali kwa sasa katika jiji la Kalemie, barabara inaendelea kuwa mbaya zaidi. Kitazama vizuri mtapata kwamba maji ya ziwa Tanganyika inazidi kusonga kabisa barabara, na vile vile uvuvi siku hizi ufanyiki kulingana na hali ya hewa katika ziwa Tanganyika. Na hali ya hewa mbaya sana, wavuvi wanashindwa hata kuingia huku wakiofia maisha yao kulingana na upepo mbaya ambao uko katika mji huo wa Kalemie. Tujelekeze pa Kisangani ni kwamba wakaaji wa jiji la Kisangani wendelea kusikitishwa na hali ya serikali kushindwa kurekebisha njia zinazoendelea kuharibika zaidi jijini humo. Nous sommes bel et bien à Kisangani, dans la commune de Makiso, au centre-ville, sur l'avenue Lac Mukamba, où ce tronçon allant de l'IBDP vers le dépôt Makayabo est dans un état très piteux, sous les yeux et la barbe des autorités de la ville et provinciale. L'état de cette route ne permet pas le passage des véhicules et les motos ou autres engins qui y passent éprouvent d'énormes difficultés. On dirait que nous sommes sur la RN4, alors qu'en plein centre-ville de Kisangani, les usagers de cette route déplorent l'état de ce tronçon, comme si cette ville les provinces n'ont pas des autorités. Pleine ville, boy, vraiment la gâte à ville, je les obé, bah, pourquoi nous dois ensemble? Hein? Vraiment, bah, député la Bissot, bazawa, maire de la ville, bazawa, du bon, la Bissot pour la Macamboro, vraiment la gâte à ville, pensable, gouverneur, ça fait le marché, ça fait le je les obé, bah, boy, vraiment, et puis, bah, député, bazo, mon, bazo, on va payer le côté. Vraiment, ça passe. Il y a 2020, bah, bandeau, quand la Bissot. T'as les loyaux, les dingues. Babère babandio kanga pour la taxe à 2020. Mais pour pas bon faire ça, dit sur ma place et marque yo. Babiloko, et bi manzila, et ça la gâte. Bongo en gros, tu fais ça la taxe, et ça la nini. Gala mi tu canon, et tu vois. Et quoi le cas? Wap.
ba journaliste bolo bia biso makambo yo ele ka ba mikili ba wapi ba mona toza malamu te na Kisangani boy. Il faut noter que l'état de cette route favorise aujourd'hui quelques cas de banditisme sur ce tronçon dans les aires tardives, selon quelques témoignages recueillis. D'où les autorités doivent faire quelque chose. Huko Kinshasa ni kwamba wanachuo kikuu cha walimu kiitwacho Université Pédagogique Nationale IPENE kwa kifupi waandamana kwa madai ya kuomba walimu wasitishe mgomo unaoendelea kwenye chuo hicho. Bandina Ipena. Bandina Ipena. Boki mani. Boka ngabango. Tukisalia hapo jijini Kinshasa ni kwamba zaidi ya wabunge 40 wa chama cha Ensemble pour la République cha mheshimiwa Moise Katumbi Chapwe watangaza kuachana na chama hicho na kutekeleza nyayo za rais Félix Tshisekedi. Déclaration politique des députés progressistes membres d'Ensemble pour le changement. Nous, députés nationaux progressistes membres d'Ensemble pour le changement présents à Kinshasa, après avoir passé en revue la situation politique de l'heure, considérant que l'adhésion à l'Union sacrée de la nation s'est faite librement et individuellement, de même que la décision d'accompagner le chef de l'État, déclarons ce qui suit. 1. Renouvelons notre confiance au président de la République ainsi qu'aux différentes institutions du pays et réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée de la nation sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. 2. Vestigeons l'attitude pour le moins ambiguë, voire contradictoire, de quelques responsables d'Ensemble pour le changement, qui est différent d'Ensemble pour la République, parti nouvellement créé, quant à l'appartenance de cette plateforme à l'Union sacrée de la nation, car l'opinion constate que, tout en participant au gouvernement de la République, certains de ses leaders s'illustrent par des propos et des attitudes qui ne laissent aucun doute sur leur volonté réelle de torpiller l'action du chef de l'État et de déstabiliser les institutions de la République. 3. Exigeons que tous les membres d'Ensemble pour le changement qui occupent des fonctions dans les institutions clarifient leur position, car l'heure n'est plus à l'hypocrisie, et tirent toutes les conséquences de leur refus de partager le bilan de gestion des affaires de l'État tel que distillé dans l'opinion. 4. Demandons à être dorénavant considérés comme une entité à part entière dans les pourparlers en cours et à venir, fort de notre poids politique constitué de plus de 40 députés nationaux sur les 70 que compte Ensemble pour le changement. Fait à Kinshasa le 31 janvier 2022. Les députés nationaux présents à Kinshasa. Je vous remercie. Huko Lisala ni kwamba wami pamoja na vijana waiomba serikali ya Kongo kuleta ajira kwa vijana na kupambana na umaskini unaokabili nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sepeli na ngumu mingi na makambo ya dobie za makambo ya pete. Kote pomo na te. Saki to tamboli na ye Kongo ko changer. Tama kama president lobiwa. Te biso Jesu ne le dernier na ni na Kongo na biso batu ya suka kuna. Ndoko sa mamute. Congo djemboka bojui to dina ba diamant to dina ba merki to dina ba njete me Congo yo donga sima pa onini to dino moto ma mute pa okio ko lukate hasembura Congo na bisete ki ta ezali bele me bino ba konji ala la mute ya mape a bo biso za tina te zo ko te ba boroko bo zo finir biso pa onini to zo sufri biso de lata bilambo te lo bito lata ngendeni omoni ne siku mi malati zo ba lata pa ke politique eleki na na uti bongana nga lukwa na yawa. Quelqu'un qui ne mérite pas ne peut pas gérer pareil pays. Pour que le pays puisse développer, ça demande de la méritocratie, ça demande de la conscience, ça demande de le sérieux. Mais les Congolais veulent beaucoup plus le théâtre, la comédie, et ainsi de suite. Et aussi la corruption. Il est en train de lutter contre la corruption. J'ai lu en lui l'esprit de lutter contre la corruption. C'est pourquoi je suis en train de louer ses initiatives. C'est vraiment bon. Et moi, je pense que les Congolais qui me suivent à ce moment puissent l'encourager, puissent se tenir main à main afin de soutenir les idées de
notre président élu, mais le mérité, Martin Fayoul. L'appel de Martin Fayoul m'a marqué, sa présence d'abord à la Mongala m'a marqué parce que c'est un soldat du peuple. Il a souvent parlé la vérité, c'est pourquoi nous le peuple nous sommes derrière sa vision. Parce que quand quelqu'un dénonce certaines choses qui sont cachées, pour nous c'est un avantage déjà. C'est vraiment à féliciter notre frère, parce qu'Azamon Ambouka, notre frère Martin Fayoul, pour avoir pensé à la Mongala, parce qu'à un certain moment, nous avons vécu vraiment dans donc la population était dans l'entourloupe. Il était important qu'il arrive, qu'il échange avec la population, et c'est ce qui fait même la beauté de la démocratie. Donc c'était important, il a eu à partager avec nous sa vision, et il a eu à partager son expérience notamment. Nous sommes convaincus que dans ce qu'il a dit, il a fait en tant que Congolais. Et ce que nous avons beaucoup plus aimé dans son message, c'est le message de la cohésion nationale. C'est ce qui importe parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Et nous devons travailler pour faire mieux qu'avant. Nous sommes vraiment satisfaits parce que depuis que Mobutu a été président jusqu'à ce jour, il n'y a aucun grand leader politique de la RDC qui a foulé le sol de la Mongala. De sa présence, nous fortifions. Au président Toponaï, Martin Fayoul, il y a eu la vérité. Il y a toujours une position de la vérité. Tujelekeze pa Mwanda ambako Rais Felix Tshisekedi amezindua bandari yenye uwezo mkubwa wa kuzipokea meli nyingi kwenye mji huo unao bahari kuu ya Atlantiki. Tukiwa hapo hapo Mwanda ni kwamba wavuvi wa muomba Rais Felix Tshisekedi kuwaletea vyombo vya uvuvi wa kisasa na kuongezea ajira kwa vijana. Ole utali class esili apo luki ba mindele ba ye ba che ba misala o ba kongole ba kusala po lobby kongola tumba siko ye bisi fachi nini fachi atala biso atika o ya pesa biso ya maloba biso to lia maloba te kongole aliaka na maloba te kongole olia na musala. Ce qui misale ezali abenga ba mindela prometa ki biso bazoya na misala baya to sala. Ce qui ezate a cede azo pouvoir zong sa daya ta pa Fayoul ya yepe ba kabila ki yango pa kabila ape sa ngope na Fayoul azong sa ka pa mukolo nango esili atika mais mukolo nango eske za Fayoul mais oui mais la fois tu te voter Fayoul ba mindela ba sai tricage kabila kabeli yango ya okabila kabila fait si tu sais que du pouvoir. Si tu bongisa malobolo, akoki ko loba ngoti. Akoki pe ko sala ngoti. A prometa ki biso ba Congolais to za malamu, akomisa biso malamu ngali. Azo kanga ba kangi ba to lobi. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Mimi ni Andrea Mlima, sitakuwa na la ziada, ni bora kusubscribe matukio haya na kuyasambaza kwa wengine. Sina la ziada, tukutane muda na wakati kama na huu siku ingine, panapo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa heri. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe channel hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.